Herbe, marijuana, haschiche, selon qu'on désigne ses fleurs ou sa résine, le cannabis est une plante ancestrale, car sa première trace remonte au 3e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi cet usage? Quelles sont les propriétés? Donc le cannabis est une substance dite psychoactive, c'est-à-dire qui marche sur le système nerveux central et périphérique, avec des récepteurs qui sont présents dans le cerveau, sur les nerfs, en périphérie. Et donc cette substance va agir sur ces différents récepteurs pour améliorer l'appétit, pour se relaxer ou également pour diminuer la douleur. Ce patient séropositif a lui commencé à fumer du cannabis car il avait perdu beaucoup de poids à cause de sa maladie. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un plus, aussi bien pour pouvoir m'ouvrir l'appétit que pour pouvoir trouver le sommeil. C'est aussi un antidépresseur et comme je suis très dépressif, ça m'aide aussi de ce côté-là. Je m'en sers aussi pour certaines douleurs,
Et donc pour éviter de prendre plus de morphinique et d'opiacés que je prends déjà. Malgré les bienfaits que cela lui procure, ce patient le consomme en cachette, car fumer et cultiver le cannabis est interdit en France. À l'heure actuelle, il n'existe qu'un médicament dans l'Hexagone, un dérivé de cannabinoïde, le cannabinol étant le composé qui agit sur la douleur. Mais ce traitement ne peut être prescrit que dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation. Cela pourrait changer avec l'annonce du gouvernement en juin 2013 d'autoriser la mise sur le marché de comprimés, de gélules à base de cannabis. L'exemple le plus célèbre est le Sativex, un spray buccal destiné aux patients atteints de sclérose en plaques. Mais ces nouveaux traitements doivent être vus avec précaution. Mon avis est que avoir un nouveau médicament, c'est sûrement intéressant dans la douleur. Il ne faut pas penser que c'est la panacée. Le plus souvent, le cannabis apporte un petit plus dans des situations très précises, mais le plus souvent, ce n'est pas ça la solution. Il faut aller chercher ailleurs. Et il faudra probablement d'autres recherches pour avoir des médicaments qui utilisent les effets du cannabis, mais beaucoup plus ciblés dans le domaine de la douleur, pour permettre une amélioration substantielle de nos patients. Ce n'est qu'en 2014 ou 2015 que les nouveaux traitements à base de cannabis devraient être délivrés sur ordonnance dans les pharmacies.